bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode du Tour de France de la Giant-Alpecin de Warren Barguil. Aujourd'hui, deux grosses étapes de vallon avec l'arrivée à Mantes et à Gap, avec notamment le col de Mantes, et l'étape de plaine entre Mende et Valence avant un petit jour de repos, et la prochaine fois on fera les Alpes, et la fin du Tour de France. Donc on ne perd pas de temps, on est parti parce que là, trois grosses étapes nous attendent aujourd'hui. J'enchaîne toujours le tournage comme d'habitude, d'ailleurs, je vais faire ça en live direct, mais... j'ai paumé mon bic un jour, une nuit. Il était une fois où Styros pauma son bic. Son bic bien aimé. Là vous m'entendez de très loin j'imagine, mais voilà quoi. Je suis en train de chercher mon bic en fait. Oui je le cherche maintenant. Parce qu'il sera trop tard. Ah ben lui il marche pas lui. En gros je me suis fait une petite feuille, vous l'entendez la petite feuille. Où je note toutes les vidéos que j'ai à tourner. Est-ce qu'il marche ce bic? Oui il marche. Magnifique ça. Un bic qui marche. Hop là, on barre TDF Giant étape 12 et 13. Et là il me reste 3 pro cyclistes, une de carrière, 3 Giant et 7 Volta. Et j'ai 3 jours, voire même 2 et demi, parce que là il est 2h du matin pour tout tourner. Et là, même à 2h du matin, je vais enchaîner les 3 derniers du tour. Et oui les gars. Alors, il est en excellente forme, ça fait plaisir. Ouais, Marcel Kittel, il est là. J'ai le café, j'ai le citron et on est parti. Non, aujourd'hui, on va envoyer quelqu'un dans l'échappée. Quelqu'un qui est en forme, c'est Simon Geschke. Il a pas mal de barres bleues. Et c'est un très bon vallonneur. Donc, si jamais l'échappée va au bout, on va l'envoyer. Parce que voilà, ça peut toujours être sympa hein, d'avoir... Ah oui, il est en mauvais forme, d'accord. Toujours bien, on peut envoyer Kradok. On va envoyer Kradok. On sait jamais, si Kradok va au bout, il a des chances de gagner. Allez la Kradok, avec l'échappée. Mais passe pour du... Mais bon Dieu. Allez là. Putain, mais laissez-moi partir Mendes. On part à deux, ok. On part à deux les gars, c'est parti. Ah ouais d'accord, d'accord, très bien. Mais moi je veux partir avec Kradok, c'est quoi ce bordel? Ouais du coup Geschke est mieux quoi. Passer sur Simon Geschke. Parce que lui il a de très grosses chances et je l'adore ce coureur, je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Avec sa belle victoire là sur le Tour 2015. Est-ce qu'ils vont me laisser partir? Bon, les gars vous me laissez partir, hein. Je pars de loin là du peloton. Est-ce que ça roule? C'est n'importe quoi, ils veulent pas. Bon, ils veulent pas, tant pis. Hein. Écoutez, c'est pas notre jour, voilà. Hop, on reste dans les rangs et on va pas casser les couilles au peloton, hein, parce que sinon ça va foutre le bordel. Déjà que là, ils veulent pas que l'échappée prenne beaucoup de temps, du coup, voilà. Le peloton est capricieux aujourd'hui et il ne veut pas laisser l'échappée prendre de l'avance. C'est comme ça, hein, ils se disent peut-être ouais, il y a une magnifique victoire à jouer aujourd'hui, du coup on va tout mettre en avant pour gagner. Peut-être, je sais pas. Ce que je sais c'est que l'arrivée va être dantesque, surtout avec un Warren Barguil qui est en excellente forme. Peut-être tenter un truc, je sais pas, on verra. On verra. Allez là, on va déjà reprendre avant la zone de ravitaillement pour ravitailler tous nos coureurs là. Ça va leur faire un petit peu de bien. Alors. Demain c'est, enfin l'étape d'après, j'ai l'habitude de dire demain mais c'est l'étape d'après dans la même vidéo. Donc dans l'étape d'après c'est l'avant-dernière chance des sprinteurs. J'ai envie de dire. Hop, Ravito, Kittel aussi. Et là, 3,20 d'avance pour l'échapper. C'est pas trop mal. Warren Barguil est là. Vous avez vu, maintenant je dis Warren. Hein. On m'a dit que c'était Warren, que ça se prononçait. Du coup, je dis Warren. C'est pas dans cette étape-ci où il y a le truc, là, le... Comment ça s'appelle encore? J'ai encore oublié. C'est le viaduc de Milo. Un truc ainsi, je sais plus. Je ne connais pas du tout. C'est pas dans, sur cette étape. Bon, je vais pas la jouer en entière pour voir, hein, mais... Il me semble que c'était cette étape-ci. Il me semble que c'est beaucoup plus tôt. Bon, au pire, on s'en fout, hein, vous avez raison. Hein. Ouais, ouais, vous m'avez rien dit, mais je le sens dans les commentaires. Vous allez dire, on s'en fout de toi. Ça va être difficile pour eux. Allez, mais Kittel, il est enfermé, quoi. Vas-y, passe, merci. Il est pas ici? Je sais pas, ça tombe, il est derrière nous là, on sait pas. J'en suis sûr, il est derrière nous ce bougre. Non, on le verrait de loin, on le verrait de loin. Un pont pareil, on le voit de très loin. Regardez, je le vois là-bas au bout. Non, pas du tout, c'est un troll. Quoi, ça roule pas là? prend quelques mètres d'avance. Il passe bien les bosses, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités. Je mets devant pour ne pas être surpris par, par les autres gars. Un petit braquet, 1,5 km. Et on lance maintenant le gros braquet. Prend la route Peter Sagan, il a l'air bien. Allez, allez là Marcel, on peut le faire. On a presque plus de barre rouge. Allez, allez, il faut les déborder maintenant. Ou Boigny. Oh, Boigny est trop fort. Boigny était trop fort sur ce sprint intermédiaire. Non, j'ai failli faire l'erreur de prendre le ravito, mais non, je ne la ferai pas. Voilà, on reprend un petit peu de points. Cavendish était... Non, oh là, j'ai bugué là. Boigny n'était pas si près que ça au classement maillot vert, il me semble. Et nous on prend, ouais, on prend 9 points et sur Christophe on reprend un point. Bon, c'est déjà ça, on va dire un point, c'est mieux que rien. Alors est-ce que ça... Ouais, ça roule déjà. Bon, ça roule pas si fort que ça parce que Barguil résiste bien, il perd même aucune barre bleue au sommet. Mais bon, l'équipe a pris très cher. Par contre ça, là ils ont pris cher là, les pauvres. Allez, on va reprendre 19 km de l'arrivée, on va jouer les 20 derniers kilomètres. On voit, hein, ça va s'enchaîner maintenant. Hein. Dans les 10 derniers kilomètres, il va tout y avoir. Et là, l'échappée risque d'aller au bout hein, avec 2 minutes 20 d'avance. Enfin, quoique, parce que franchement, dans le truc, dans la côte de 3 km, là, c'est un vrai mur. Hein. 3 km à 15%. Il y a vraiment moyen qu'ils reprennent, qu'on reprenne à l'échappée minimum 1 minute, voire 1:30. Dans un mur pareil, ça risque de faire des dégâts, un mur comme ça. Hein. Moi, je vous le dis. Et je pense même que si ça roule pas vite comme ça roule ici, je pense même attaquer dans la côte d'avant pour déjà prendre de l'avance. Ça pourrait être sympa. Après on va pas trop se donner parce qu'il faudra avoir une barre bleue complète pour le mur. Mais je pense vraiment tenter, parce que là avec une forme du jour exceptionnelle, on peut tout tenter. Ça nous fait peut-être un 81, 82 en montagne. Certes c'est pas de la montagne, c'est du vallon. Ce qui nous fait peut-être un 77, 78 en vallon. Mais franchement... Franchement j'y crois pour une victoire là, j'y crois vraiment, c'est pas de la rigolade, je pense vraiment qu'il y a moyen d'y remporter cette étape. En tout cas si l'échappée ne va pas au bout, c'est pour ça que j'ai voulu mettre Geschke, mais le peloton a été capricieux et n'a pas voulu. Puisqu'on tire roule là, donc c'est bon, ça m'évite de travailler moi-même. L'avant-dernière côte de la journée. Allez, on n'est plus 83 coureurs là dans le peloton. Va falloir faire gaffe là, va falloir vraiment faire gaffe. Vous voyez, c'est un vrai mur. Hein. C'est un vrai mur, on aperçoit Jérôme Coppel devant. On l'aperçoit vite fait. Ok, 1:36. Et là, franchement, si ça roule comme ça, je pense attaquer déjà maintenant. Hein. Pas maintenant, mais franchement... On est à 3 km, ouais. Est-ce que si on va au-dessus? Non. Ok, on va se mettre ici. Je pense vraiment que vers le sommet, je vais attaquer un petit peu. Pour dire de, voilà, de dynamiter la course et pour dire de montrer qu'on est là. Et qu'avec notre forme du jour exceptionnelle, on peut gagner aujourd'hui. Avec Warren. Warren, pardon. Les 2 km, ça accélère là avec Fuglsang. Par contre c'est chiant, on voit pas les kilomètres, on est comme ça. Devant il y a du très lourd, hein. Il y a du très lourd devant. Donc va falloir faire gaffe. 1,5 km. Est-ce que j'attaque maintenant? Je sais pas. Je sais pas, ça ne roule pas. Hein. Allez. On est parti, écoutez, avec Warren Barguil, on attaque à 1,2 km du sommet de l'avant-dernière difficulté du jour. Et c'est pas une petite attaque, hein. Je vous l'ai dit, je souhaite attaquer et je vais l'attaquer là. Et ils vont devoir faire l'effort pour revenir sur moi. Et avec une forme du jour exceptionnelle, c'est pas évident pour eux. Car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. Allez là, Barguil. On prend pas de temps là sur Montfort. C'est quoi ce bordel? Allez là, on leur a pris 10 secondes. Mais c'est peut-être que 10 secondes. Mais nous, on va se refaire dans la descente là. Et eux, ils vont devoir faire l'effort pour revenir. Ah, c'est pas pentu. Merde. J'ai peut-être fait une erreur là. Peut-être fait une très grosse erreur. C'est pas très pentu. Est-ce que je continue mon effort ou pas? Si, là ça va être pentu. Là ça va être pentu, on va pouvoir récup ici. Voilà, ici on peut récupérer. Pas beaucoup mais un petit peu quand même. Et on va aborder le pied avec 10 secondes d'avance. C'est pas beaucoup mais ça joue dans le moral du coureur hein. Ça joue beaucoup. Hop là, allez, on est parti là pour la difficulté. 1 minute de retard sur l'échappée. Et là on est parti hein, 3 km. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, allez. 5 km de l'arrivée. C'est la dernière difficulté, un deuxième catégorie. On a pris 20 secondes. Hein. Allez, là c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort, là, avec Warren. 40 secondes de retard. Il y a moyen, franchement, il y a moyen. Je sens qu'il y a moyen, là. On la voit, on l'a à portée de main, là, l'échappée. Et on a quasiment 30 secondes d'avance sur le peloton. Allez, là, Warren. On y croit vraiment. Richie Porte qui attaque. C'est étonnant, ça. Salut, les gars. Allez là, faut pas qu'ils nous suivent par contre, faut pas qu'ils prennent notre roue. Allez, on revient dans la roue de Maxime Montfort. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais... Allez là, là on est, je vous le dis, je le sens très bien là, je le sens très bien, encore un kilomètre, hein. C'est bon un kilomètre. Je suis pas sûr que Montfort puisse nous suivre, et non il ne suit pas. Et puis on a le groupe des favoris, 32 secondes derrière nous. Oh Richie Porte il est juste là. Tout peut encore arriver dans les derniers mètres. Allez là. On est bien parti là, on est très bien parti. Et là, ça ferait plaisir là, ça ferait vraiment plaisir une victoire avec Warren Barguil. On reprendrait du temps bien sûr, mais ça on s'en fout un petit peu, c'est juste pour le maillot blanc. On a une 47. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. On leur a déjà donné, on se concentre sur nous. Et uniquement nous. Porte il est pas loin, il est qu'à 17 secondes Richie Porte. Allez, on va pouvoir récupérer un petit peu. On réaccélère un petit peu, petit braquet. 15 secondes, hein. Ça va être juste, hein. Ça va être très juste, hein. Mais je pense que c'est bon, je pense que c'est bon. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un minimum là? Je sais pas, franchement je me le demande. Oui, on peut récupérer un tout petit peu. Pour dire de récupérer un maximum de barres rouges pour sprinter. Allez là, 1 km de l'arrivée. C'est gagné, hein. C'est gagné pour Warren, 16 secondes. Et oui, c'est gagné. Et c'est la belle victoire là. Belle victoire de Warren Barguil. Ah, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir devant Richie Porte qui était sorti derrière en puncher. Oh yes, belle victoire là, très belle victoire de Warren. Oh là là, vous pouvez pas imaginer comment je suis content d'avoir cette victoire là. Elle me tenait à cœur cette étape, j'aime vraiment beaucoup cette étape. Et là ça fait plaisir de la remporter, ça fait vraiment plaisir. Et du coup on reprend un peu de temps mais ça c'est pas l'essentiel, l'essentiel c'est vraiment la victoire d'étape là qui fait plaisir et qui remonte un petit peu le moral là avec Barguil parce que... C'est vrai qu'on prenait assez cher en montagne hein, et là cette victoire je pense que ça va rebooster Barguil niveau forme du jour et tout. Parce que quand on gagne des étapes il me semble qu'on a des bonus après. Certes l'étape d'après c'est une étape de plaine mais c'est quand même une victoire. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'on reprend le maillot blanc? Je ne pense pas. Mais on la remporte tout juste devant Porte hein. Je pense que j'ai bien fait d'attaquer dans l'avant-dernier col. Parce que je serais resté avec la favori pour le dernier col, je pense que j'aurais pas gagné. Voilà, premier podium pour Warren Barguil en tant que vainqueur du jour. On en a eu 2 avec Marcel Kittel. C'est la 3e de ce tour. L'objectif étant 4, je le rappelle. Victoire d'étape pour Warren Barguil. Amende. On garde le maillot vert, bien évidemment. Pas de maillot blanc, malheureusement. Ah, je suis content, là. Je suis vraiment content. Alors. On a repris du temps. Et là, une belle victoire. On était en excellente forme. Porte aussi, il était pas loin, Porte. Du coup, au général... On reste 5ème, on reprend du temps sur nos principaux... on avait 20 secondes d'avance sur Perron, on a 2 retours, une 30. Ça fait plaisir. Au maillot à poids, Contador est en tête. Maillot vert, Kittel toujours. Et là, 16, 25 points d'avance exactement. Attendez. Oui, c'est ça. On revient à 56 secondes du maillot blanc. La Tinkoff, ok. Elle est où là? La 11ème. La combativité, c'est 2 Werth. Et ben voilà, suivant. Voilà, ça c'est parfait ça. Hop, étape de plaine. On va pouvoir se redonner à fond là avec Marcel Kittel. C'est une étape de plaine et généralement là ça va au bout. Souvent dans ces étapes là où on attend un sprint massif. Et vu que c'est après les Pyrénées, ils sont crevés les sprinteurs et ils assurent pas une belle poursuite. Du coup on va envoyer quelqu'un devant et je pense qu'on va envoyer John Degenkolb devant. Parce que si jamais ça va au bout, John pourrait gagner. Et imaginez encore une victoire, bah ça ferait notre objectif de 4 victoires d'étape sur ce tour. Et ça, ce serait bon, ça serait beau. 2 victoires d'étape d'affilée. Et puis, on défendrait un petit peu notre leader avec le maillot vert. Hein. Ok, bonjour Jamal. Kittel est en excellente forme, c'est parfait ça. C'est parfait. C'est vraiment excellent. On va prendre Degenkolb, il est en mauvaise forme, mais bon, on le prend quand même, café citron. Et on va essayer de partir avec dans l'échappée. Et Kittel quand en excellente forme, c'est pas beau. Si jamais ça va au sprint, on a vraiment de grosses chances là avec Kittel. Hein. Maintenant, il faudrait voir si ça roule à bloc ou pas. Bonjour à tous. C'est pour ça que j'ai envoyé Degenkolb dans l'échappée au cas où. Pour assister à une arrivée massive à Valence. Parce que si jamais on a un sprinter aussi devant, hein, ça l'avantage d'avoir deux gros sprinters dans l'équipe, on peut en envoyer un dans l'échappée. Et là Degenkolb, c'est parti. Hop. John Degenkolb à l'attaque. Il est loin, il a une heure quasiment. Bon les gars, je pense pas que le général va bouger aujourd'hui. Mais il n'y aura rien aujourd'hui. Il n'y aura rien. On simule un petit peu. On est rejoint par 3 coéquipiers, enfin pas coéquipiers mais on est rejoint par 3 gars devant. Ok, on est parti à 4, Barta, Gauthier, Pozzato et Degenkolb. C'est une belle échappée, hein. C'est une très belle échappée, certes Degenkolb n'est pas en forme, mais si jamais ça va au bout c'est nous qui gagnons. Après il faut voir sa barre bleue bien évidemment. Mais là Kittel en forme du jour exceptionnel, ça fait plaisir de voir ça, ça fait extrêmement plaisir. Là ça va, je suis content, je vois le temps monter, après si ça arrive au sprint on a de très grosses chances de gagner avec Kittel du coup... Que ça soit l'un ou l'autre, je suis content dans les deux cas. Est-ce que ça va aller au bout? Là, ça continue d'augmenter. Ah, ça y est, ça commence à diminuer. Du coup, c'est pas bon signe pour l'échapper, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On a Kittel qui est bien là, dans le peloton. Avec une forme du jour exceptionnelle, c'est très bon pour nous. 6,30. On va attendre qu'il passe là la petite bosse. Voilà, ils ont dû la passer maintenant. Donc on va donner le ravito à tout le monde. On va déjà passer sur Kittel là. Ouais, ils sont passés. Ils sont dans la descente. Merde. Et on prend le ravito. Et du coup là, une forme exceptionnelle, on a vraiment de la chance là sur les formes. On a vraiment de la chance. Ok. Hop. Pour le moment 7 minutes ça roule pas. 7 minutes 100 km c'est bof l'écart mais c'est ça continue comme ça c'est pas mal. Là on a repris une belle petite barre bleue là avec Kittel, ça fait plaisir de voir ça qu'il est de renouveau en forme. Allez, bien évidemment on va défendre notre maillot vert au sprint intermédiaire. 5 km pour Kittel qui perd déjà un petit peu de barre, c'est le petit radar là qui fait mal, j'imagine. L'échappée perd du terrain. On l'a passé, ok. Accélérez le rythme pour préparer le sprint intermédiaire, les gars. Hop. Chute collective. Oh, il y a une chute. J'adore les descentes comme ça avec les villes et les barreaux, je trouve ça super stylé. Oh, Nairo Quintana est tombé. Nairo Quintana est tombé les gars. Bon puncher et bon rouleur, il doit arriver seul. Ouh, ça fait mal ça, ça fait très mal. Et il n'y a aucun coéquipier qui l'attend. Oula, Quintana qui tombe. Bon, il va rentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui roulent. Petit braquet. Comme d'hab, on part avec le gros. Marc Cavendish est là, Arne démarre. Avec Kittel, il est en excellente forme là avec Marcel. Et oui, il est imbattable Marcel Kittel hein, en forme du jour exceptionnel. Comment voulez-vous le battre? Comment voulez-vous le battre comme ça? Hop, et Quintana là qui est lâché, c'est étonnant. On va passer sur Degenkolb. Hop. Bon, là, il risque de prendre un petit peu cher dans la bosse. C'est peut-être ça qui va le tuer là, Degenkolb, malheureusement. Allez, résiste s'il te plaît. Ah, malheureusement, non. Il va plus revenir là, je pense, hein, Degenkolb. C'est dommage, mais il va terminer comme ça. Et là, si l'échappée va au bout, là, par contre, c'est la mauvaise nouvelle. Là, c'est la très grosse mauvaise nouvelle si l'échappée va au bout. Ou là, Kittel qui perd déjà de la barre bleue à 30 km, ça, c'est pas bon non plus. Ça veut dire que Quintana est peut-être pas rentré, que ça roule, hein. Ça veut peut-être juste dire ça. Ok, j'ai vu Degenkolb qui est rentré dans le peloton. Est-ce que Quintana est rentré? Oui, il est rentré Quintana. Pourquoi ça roule, les gars? Pourquoi ça roule aussi fort déjà maintenant? C'est n'importe quoi, les copains. Sa barre bleue qui stabilise. Bon, l'échappée est loin d'aller au bout. Allez, 15 km, on va reprendre. La barre bleue, ça peut aller avec Marcel Kittel. Une 30. Va falloir faire gaffe quand même. Hein. Va falloir faire gaffe quand même. Ne comptez plus sur lui. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Allez, là, une 23. Est-ce qu'il va être repris? Et Pozzato, il peut aller au bout, là, je pense. Hein. Je pense que Pozzato, il peut aller au bout. Il est en difficulté. On est plus que 25. Oula, ça fait mal là apparemment. Apparemment ça fait mal et Pozzato là il est bien parti hein. Salut Gauthier. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Barguil ça peut aller. Et là on est plus que 30. Est-ce que Pozzato va aller au bout? Je n'en sais absolument rien. Ça roule trop fort là. Arrêtez de rouler, ça sert à rien. Il faut laisser un petit peu travailler les autres aussi. Ça roule pas très fort là avec la Katusha qui emmène. Hein. Ça roule pas très fort. Une 5 d'avance, Pozzato il peut y croire. Franchement il peut y croire. À moins qu'il fasse une défaillance, il peut y croire là. Nibali est bien là. Est-ce qu'il y a tous les favoris? Contador est là. Et Froome n'est pas là. Christopher Froome n'est pas là. Derrière ça attaque. Ou ça fait mal ça. Ça fait mal pour Christopher Froome. Nairo Quintana n'est pas là non plus. Oh le maillot jaune a lâché. Est-ce qu'il est là Barguil? Il est là Barguil et le maillot jaune il a lâché. Barguil est là, est-ce qu'il a de la barre? Oui il a de la barre et il a lâché le maillot jaune. C'est parfait ça. C'est parfait. Oh Mehdi. S'il te plaît Mehdi. 49 secondes. Oula il y a le maillot jaune qui a lâché. Est-ce qu'il y a des autres leaders là? Il n'y a que Perrault qui est avec nous. C'est tout. Voilà avec Kittel on pourrait être mieux niveau barre bleue. Bon Pozzato va aller au bout. Hein. Je vous le dis direct, Pozzato va aller au bout. Mais là, il faudrait continuer à rouler en fait, parce que Barguil, il est en train de reprendre du temps encore une fois. Du coup, Barguil, tu vas rouler, allez. Ok, je vais relayer à bloc. Je vais me reposer un tout petit peu, un minimum. Allez, Barguil. Derrière, ça attaque. Barguil. À 5 km, un homme est seul en tête. Ok, il est passé. Allez, c'est parti là avec Barguil. Bon, 1 minute 8, ça va pas aller où. Mais en fait, c'est pour pas que ça rentre. C'est surtout pour ça. Ouais, il est rentré, c'est bon. Arrête. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. On va se reposer un petit peu. Oh, Kwiatkowski. Oh, il déboule de où, lui? Il déboule de où? J'ai juste lui demandé de rouler à fond pour pas qu'il se fasse lâcher. Mais là, ça va être chaud de sprinter avec la barre bleue de Kittel, là. En plus, j'ai l'impression qu'il fait une fringale, là, devant. Non? Non, il fait pas de fringale. Non, il va aller l'emporter facile. Mais là ça fait mal niveau barre bleue hein. Niveau barre bleue ça fait extrêmement mal. Ouais Simon il a laissé un petit écart là Julien Simon. Nous on va pas pouvoir sprinter. On va juste faire ça mais on pourra pas sprinter. Ouais du coup on va prendre très cher là. On va prendre très cher. Ouais, on va faire une 8ème place. Pas mieux. 8ème avec Kittel. On n'avait plus de barre bleue malheureusement. Ça a roulé très fort. Hein. Extrêmement fort là. Il y a eu plein de cassures. Là par contre on va pas attendre. Hein. Il y a eu énormément de cassures. Et je pense que là, ils vont pas être mis dans le même temps. Hein. Mais bon, belle victoire de Pozzato en solitaire. Il a su résister. Malheureusement de Degenkolb, la bosse, ça l'a tué. J'aurais dû envoyer un petit puncher. Il aurait peut-être été au bout. Geschke, je sais pas. Oh Barguil il termine devant nous. Le troll. Est-ce qu'il y a des cassures? 32 secondes et oui il y a des cassures. Contador est là. Nibali est là, mais Christopher Froome, il est là. Ok, très bien. Pinot est là. C'est qui est pas là? C'est Valverde qui est pas là. Ainsi que Nairo Quintana, Romain Bardet. Et c'est pas beau. C'est beaucoup qui perdent. Un 4,48. Suivant. Et on est 5ème à 7,24. Mais genre les Bardet et tout, ils sont très loin. Du coup, là, le top 10, il est quasiment fait. Hein. Il est quasiment fait. Et même le top 7, on va dire. Ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Maillot à poids, Contador, maillot vert, on garde notre maillot vert, mais plus que 11 points d'avance. Ouf, ça va être limite, hein. Ça va être extrêmement limite. Suivant. Ok, Barguil a une bonne énergie. Étape de vallon avec l'arrivée à Gap. Est-ce que j'envoie quelqu'un? Je vais encore essayer d'envoyer quelqu'un. On sait jamais, si jamais l'échappée va au bout. Je vais essayer d'envoyer peut-être un Geschke ou un Kradok, un... Je sais pas, un... Franchement, j'en sais rien. Un petit puncher hein, que je vais envoyer. Parce que bon, ce serait bien d'avoir la quatrième victoire là, parce qu'en montagne ça va être très compliqué d'aller chercher, à moins d'une échappée au long terme là, avec nos deux autres grimpeurs, ou alors au Praloup par exemple avec un petit Simon Geschke, n'est-ce pas? Avec sa victoire hein, au TDF en IRL au Praloup, magnifique victoire hein, où Pinot a chuté dans la descente du col d'Alos. Mais là ça se passe plutôt bien, là ça se passe plutôt bien à voir les Alpes, parce que ça tombe, on va complètement craquer dans les Alpes. Mais là pour le moment on tient notre top 5, et ça fait extrêmement plaisir. Barguil, ouais il est pas en bonne forme, mais Geschke est en bonne forme, il a une bonne barbe, du coup on va l'envoyer. Café citron, et Geschke t'es parti, tu nous refais une TDF Praloup, s'il te plaît IRL, et je t'épouse direct, avec ta grosse barbe. Oh là là. on verra, allez, on envoie Geschke dans l'échappée pour voir. L'histoire récente d'ailleurs en leur faveur, puisque les trois dernières arrivées à Gap ont couronné un coureur qui en prépare à l'échappée matinale. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Allez Geschke, c'est parti mon gars. Ça va te faire vite te rejoindre là. Ok, on est 6 apparemment. Geschke il est en haut. On est 6, il y a Julien Simon, Van Mark, De Marquis, Riblon... Et Ouzarski, ok, il y a 2-3 bons punchers grimpeurs. Donc ça va être compliqué. Mais il y a moyen, franchement il y a moyen, il a une très bonne barre bleue Geschke, du coup il peut peut-être viser une victoire si jamais l'échappée va au bout. On verra, ça tombe l'échappée va pas du tout aller au bout, hein. Je dis ça, je dis rien. On verra, on verra. Barguil il a une barbe du tonnerre, c'est cool. Alors, par contre si ça va au bout, j'hésite à contrôler Geschke ou Barguil. Je verrai en fait, si ça roule fort dans le peloton, je contrôlerai Barguil, et si ça roule pas fort dans le peloton, je contrôlerai Geschke. Mais là je pense vraiment qu'il y a moyen de faire un petit truc là avec Geschke, parce que là, le peloton il roule un petit peu quand même, hein. Il veut pas que l'écart augmente énormément. Il y a encore 5 minutes. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. On y croit, mais ça va être compliqué, là. Et puis, pourquoi pas Barguil, hein. Mais bon, Barguil, j'y crois pas trop sur cette étape. Il est pas très bon descendeur. Ça m'étonnerait qu'il fasse un truc, là-bas, Warren. Ok, il est encore dans le bon groupe, Geschke. Van Mark, par contre, a craqué. Ah, merde. Ah, mais je suis sur Geschke, là, donc c'est bon. Barguil, il est encore excellent. Il semble intéressé par la victoire d'étape. Ouais, la Calonne Del Garmin qui roule. Van Mark, c'est fini pour lui, on n'est plus que 5. Riblon, il est excellent. Ouzarski, on n'en parle pas. De Marquis, il est très bon également. Il y a qui d'autre? Julien Simon, très bon puncher. Bon, voilà, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Est-ce que Marcel Kittel est là? Oui, il est là, Marcel Kittel. Ça fait plaisir de le voir là. Ouh là, par contre, ouais, là, ça va baisser beaucoup. Ouh là, j'ai peut-être repris un peu tard. Je sais pas, on va vite passer sur Kittel. Mais là, ça roule fort dans le peloton, hein. Oh la chute! La chute du Tinkoff Saxo. Est-ce que c'est Peter Sagan? Je sais pas. Mais il y a eu une belle chute là. Est-ce que c'est Sagan? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Attention à lui, c'est un 2 km. En tout cas, c'est Sagan. Je pense que c'est Sagan, hein, parce qu'on approche du sprint intermédiaire et il est pas là. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Allez, à nous partir maintenant au kilomètre. On est que 3 à sprinter. Est-ce qu'on va les avoir? On est peut-être parti un peu tôt. Non, ça va, on va les avoir tranquilles là. Christophe Riblon est un habitué des longs raids en montagne. Ça lui a déjà d'ailleurs permis de remporter 2 étapes. On va repasser sur notre ami Geschke. Et on va voir, on va se mettre au pied du col de Manse. Et on verra. On verra si ça va au bout. Est-ce que le peloton... Ah ouais, d'accord, le peloton continue de rouler. Bon, mais c'est un petit peu mort pour l'échapper, j'imagine. Oh, bah... Geschke il est dans le peloton. Oui il est dans le peloton Geschke, du coup on va repasser sur Warren. Et c'est Van Mark, ok, c'est celui auquel j'imaginais pas du tout, celui qui était lâché qui vient. What? Kittel? Ouais mais Kittel il va rien faire du tout. Tom Dumoulin. Est-ce qu'avec Geschke on tente une sortie? J'hésite de la jouer avec Geschke et de tenter une sortie là pour la victoire. Franchement, je vous le dis direct, j'hésite beaucoup. Est-ce que vous pensez que si j'attaque maintenant, ça va rouler? En tout cas, là, il ne me laisse pas partir, c'est sûr. Allez là, laissez-moi passer. Putain, c'est pas possible, ça me dégoûte par contre dans le jeu. Ah non, ça roule. Non, ça roule pas. Oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus de ce peloton, on peut pas passer. Comment vous dire que ça me pèle les couilles? Comment vous dire ça? Si, ça roule. Barguil, ça va. En fait, je vais juste placer une attaque avec Geschke. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Parce que là, ça m'étonnerait que ça aille au bout. Là, Riblon et Simon, ils vont aller. Bon, tant pis, on va passer sur Warren. Tant pis pour Simon. Degenkolb est là, mais bon, il est mort. Hop, on donne le ravito au gars. On remonte le peloton. C'est Froome ça? Oui, c'est Froome. Ok, le Scarponi qui craque. Thibaut Pinot, il est bien là. Et si jamais... Oh, Rodriguez qui a attaqué. Bah, c'est ça que je voulais tenter avec Geschke. Bon, après, je pense pas que ça va payer. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je réhésite encore à passer sur Geschke. Non, il a pas assez de barre bleue. Mais cinquième, nous. En fait, ça serait bien que... Moi, je compte pas faire d'attaque aujourd'hui avec Warren. Mais... si jamais je vois que j'ai assez de barre bleue sur la fin du col et que je vois qu'un Thibaut Pinot par exemple est limite, j'attaque. Ok, l'échappée n'ira pas au bout, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle parce que si l'échappée va au bout, en fait je m'en voudrais qu'il soit pas resté. Bardet qui attaque, non? Ah non, ça fait un semblant d'attaque. On a encore 92 dans le peloton. Notre sprinter n'est pas bien, il est en train de se faire décramponner. Kittel qui se fait lâcher, Degenkolb il va se faire lâcher, Geschke aussi, il reste plus que Geschke là, en forme, entre guillemets. Et attaque de Romain Bardet. Kwiatkowski, Valverde, Costa et Mollema qui y vont. Pinot il y va, merde. C'est pas bon ça. Ouais, c'est un danger pour nous, je le sais. C'est pour ça que je roule là. Mais je peux pas rouler non plus, hein. C'est pas à moi de rouler, hein. Enfin, c'est à moi, mais c'est pas à moi. On est à 5 km encore. Ma barre bleue, elle est pas énorme non plus, hein. Elle est pas infinie, hein. On est plus que 39, mais... Et Pinot là il est parti et ça c'est un problème, ça c'est un très gros souci ça. Il roule pas là, putain il roule pas, vas-y roule, s'il te plaît. C'est pas bon ça, c'est pas très bon. Ok. Là c'est la Sky qui rouille, ok. Ouais elle rouille, elle commence à devenir vieille hein, la Sky les gars. Non mais elle roule fort là. On est à 3 km, mais vu que c'est le bug là, ça ne veut pas nous le dire. Voilà, là ça veut bien nous le dire, 3 km. On est au cul là, on est au cul de Thibaut Pinot, donc c'est pas un souci. Mais bon, faudrait pas reperdre du temps encore une fois. 2 km, je pense qu'en restant gros braqué, ça passe. Allez là, faut essayer de suivre là. Allez Warren, tu peux le faire. Pinot il est juste là. Allez, il faut recoller là, allez Richie. Là encore 28. Ok, on a recollé. Ça fait plaisir. Par contre, il y a Rodriguez qui est parti devant. Ah, il réattaque. Ils en remettent une. 1 km du sommet. Ça roule fort, hein. Ça roule très fort. Hein. Là, ça y retourne. Ok, Pinot n'y va pas. Est-ce qu'il est limite? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'il est limite? Peut-être. Franchement, je sais pas. Franchement, pour rien ne vous cacher, je ne sais pas. On n'est plus que 15, hein. On n'est plus que 15. Pinot est dans mon groupe. Pourquoi je roulerai, moi, là? Je ne roulerai pour rien. Donc, allez-y, roulez, les potes. Voilà le classement du dernier grimpeur. Vous voulez gagner, allez-y, hein. Moi, c'est pas un problème, j'ai gagné l'étape d'avant. Non, les gars, il faut pas attaquer maintenant, par contre. Boum. Oh là, on a pris du temps, il roule pas. C'est quoi ce bug? Je sais pas c'est quoi, mais là, ça me plaît. Là ça me plaît, 10 km. Il roule un petit peu mais pas énormément. Rodriguez est seul devant par contre. Il passe à l'offensive. Allez là, 17 secondes. Hop. On est revenu sur le groupe là, on va revenir sur Rodriguez. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Ok, Rodriguez est là. Rodriguez est bien là. Et là, on se retrouve en position que je ne pensais pas possible il y a quelques kilomètres. Et là, on reprend le maillot blanc, là, non ? 56 secondes, il y a 52 secondes là actuellement, on est en train de reprendre le maillot blanc. Son tempérament offensif lui a d'ailleurs déjà permis de remporter 2 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne. Là ça va être du plat, allez on prend notre avito maintenant. On a pris quelques mètres d'avance là avec Warren. Ouais ça serait pas beau là, 2 victoires dans cette vidéo avec Warren. Je sais pas, hein, au sprint on est battu là par Valverde et tout. Hein. Faut les faire travailler là, faut les faire travailler, ce qu'ils vont lâcher je sais pas, ils ont l'air d'être limite quand même. Ah merde, je me suis fait avoir. Valverde est là, 1,5 km, on sprint petit braquet. On se met gros braquet là avec Warren, est-ce qu'on va gagner? Je ne sais pas, je ne pense pas, ça va être limite, hein. Ça va être limite là avec Warren. Est-ce qu'on peut les passer? Non, on ne va pas les passer, on va faire une... On va faire une 3e place, on prend des bonifs. On fait une belle 3e place là encore une fois et on va reprendre du temps. Est-ce qu'on reprend le maillot blanc? Ça c'est la question du jour. Est-ce qu'on reprend le maillot blanc avec Warren Barguil? Là on va attendre qu'ils arrivent à avoir la descente, du coup ça va aller très vite là pour les attendre. Oh là là, cette vidéo s'est passée à merveille. 2 podiums. Et, enfin une victoire et un podium là. C'est très bon. C'est très très bon là, les étapes de vallon entre les Pyrénées et les Alpes. Ils nous ont réussi avec Warren. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on a été plus... J'aurais dû prendre mon ravito un petit peu plus tôt, peut-être. C'est peut-être ça, je sais pas, j'en sais rien. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Peut-être que je l'aurais pris plus tôt, j'aurais peut-être pu gagner, je sais pas. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on reprend le maillot blanc? Déjà, on fait un peu de jump, du coup, on reprend des bonifs et du temps sur Thibaut Pinot. On garde le maillot vert. Et on prend le maillot blanc à Thibaut Pinot, ce qui fait qu'on repasse certainement 4e du classement général. Oh ça fait plaisir, on reprend notre maillot blanc là qui nous avait quitté pour quelques secondes j'imagine, hein, pas énormément non plus hein. Oh là là, on a repris combien de temps là sur les favoris? 1 minute peut-être, je sais pas. Et 1 minute on pourrait repasser peut-être 3e. Oui 1 minute pile, plus les 4 secondes ça fait 1 minute 4. 4e, on a 13 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. C'est compliqué, c'est très compliqué, c'est très tendu là ce tour. Hein. Ce tour commence à être très... Et je me dis... Enfin non, je me dis pas que plus on avance, plus je pense au podium. Mais il y a les Alpes à passer, c'est le problème là. Peut-être que le vallon nous a réussi, mais ça tombe là, ça va pas du tout nous réussir les Alpes. Hein. Faut voir. Mais bon, reprendre le maillot blanc du coup. Dans la prochaine vidéo, au départ des Alpes de cette 102e édition, on sera en blanc avec Warren Barguil. Et ça c'est le kiff ça. Ça c'est le kiff, hop. Ça c'est vraiment un très gros kiff. On sauvegarde bien sûr. Après une vidéo pareille on doit sauvegarder. Avec des résultats comme ça. Hop. Ok. Ouais non on va le laisser lui. Suivant. Il y a le jour de repos là, voilà, tout le monde récupère. Et on va se retrouver la prochaine fois pour les 2 premières étapes des Alpes avec l'arrivée à Praloup et à Saint-Jean-de-Maurienne. Et dans la 8e et dernière vidéo de ce Tour de France, on jouera la Toussuire, l'Alpe d'Huez et les Champs-Élysées. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour la reprise du maillot blanc et cette victoire avec Barguil. Énorme victoire, hein, j'espère qu'il vous aura plu, podium également. Bref, la vidéo s'est passée à merveille, on revient 4e, on reprend la 4e place à Thibaut Pinot. On n'est pas si loin du podium, on y croit, on y croit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez sur cette vidéo, à m'ajouter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Twitch, pour ne rien rater des prochains lives, des prochaines news, des petits teasings, tout ça, et si vous voulez discuter avec moi bien sûr. N'hésitez pas également à m'ajouter sur le PSN et le Skype, c'est Monsieur Jeux Vidéo 13 pour faire des petites games ensemble, ou alors parler de la chaîne, ou du vélo en général. Je vous remercie d'être aussi présent sur ma chaîne et d'être aussi fidèle. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.